Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment tous très bien. Alors, on m'a demandé de faire un tirage de cartes sur la 5G, à savoir est-ce qu'elle va être installée en France et y aura-t-il des côtés nocifs pour la population française? Est-ce que ce sera nocif, hein? Donc, est-ce qu'elle sera installée en France? J'utilise l'oracle manuscrit que je brasse. Est-ce qu'il y aura la 5G en France? Installée en France? Alors, je retire tout ça, 5 cartes. En tout cas, ils s'entendent, ils se discutent, il y a l'union, on en parle pour installer la 5G en France. Il y aura des choix. Alors, a priori, oui, je dirais oui, ils y pensent et on avance dans ce projet, dans cette décision. Et il y a un choix dans le lieu en fait, ou en France. Voilà, vous voyez. Puis là, c'est clair, hein, avec les ondes. Donc il y a des échanges, oui, pour savoir, là, on est dans, oui, on veut installer la 5G en France, mais où? On veut arriver à un équilibre, c'est-à-dire un endroit où c'est assez éloigné des habitations, vous voyez, on va essayer de faire au mieux, entre guillemets. Mais en tout cas, des gens qui ne vont pas être contents, ceux qui auront justement ces ondes à proximité des habitations. Même si à proximité, ça sera éloigné, mais eux, pour cette population, vont estimer, ces personnes vont estimer que c'est même trop près encore. Hein, d'accord? Alors, je vais repositionner une nouvelle carte sur chacune d'elles. Avec l'union. Trahison. Donc oui, ils vont projeter ça, mais ils n'en parlent pas. Ça va être vraiment fait en toute discrétion. Et le choix, oui, il y a le danger. Hein, oui, ils vont vouloir poser hein, cette 5G quelque part, mais ça va être mal perçu par les gens qui seront aux alentours. Mais il y a des échanges avec force. Donc, de toute façon, ils ont décidé d'installer, quoi qu'il arrive. Bon, ils vont essayer d'aménager ça au mieux pour calmer un peu les habitants d'à côté. Hein, mais oui, ils y songent vraiment fortement. Ça y est, c'est parti. Le projet est parti. Hein. Dualité et équilibre. Ben, donc, ils vont vouloir vraiment faire au mieux. Mais avec les émotions, méfiance. Voilà, les gens se méfient beaucoup, beaucoup, beaucoup de cette 5G. Et surtout ceux qui vont en pâtir et qui seront à côté. Hein. Donc là, pour le moment, ils ne savent pas trop encore. Ils ont plusieurs idées, des lieux, mais voilà, il y a le choix encore. Hein. Je vais aller prendre mon oracle que j'ai créé, l'oracle des papillons, et faire le petit bilan comme j'aime bien faire. Comme ça, comme cet oracle parle beaucoup. Alors, par rapport à la 5G, l'installation de la 5G. Donc a priori, oui. Ils vont décider du lieu prochainement. Oh là, il y a trop de cartes qui sont tombées là. Quoi qu'il y en a quatre cartes, je vais vous les. Voilà, ça va être celle que je vais présenter. Donc il y a un homme. Donc l'homme pour moi en politique, c'est le président de la République, hein, Macron. Il y a danger, débordement, séparation. Donc voilà, bah, c'est clair aussi, hein. Effectivement, donc par rapport à l'homme politique qui va vouloir bon accepter, hein, de toute façon voilà, on reprend encore et encore la carte du danger. Danger, c'est-à-dire que la population va considérer cette 5G comme un danger dans la majorité des cas, bien sûr. Il y aura un débordement, c'est-à-dire que il y aura des mécontentements et séparation. Alors séparation, c'est-à-dire que est-ce que dans un lieu, par exemple, on va décider d'installer cette 5G et du coup séparation. On va changer de lieu parce que ça va être trop compliqué sur ce lieu-là, vous voyez. Donc on va choisir un autre lieu. Voilà, je le sens bien comme ça. Donc c'est-à-dire, voilà, dans le choix, vous savez, on avait vu qu'il y avait plusieurs choix et dangers. Peut-être danger sur un choix initial de lieu. Et du coup, on a averti bah, les personnes, les mairies, hein, par exemple. Voilà, c'est ça, surtout les partenaires sociaux qui étaient sur place, et eux, par contre, ils ont vraiment freiné des quatre fers, parce que c'était peut-être un peu trop près des habitations, vous voyez. Donc, ils vont choisir certainement un autre lieu, moins dangereux,
plus éloigné des habitations. Voilà, je vois ça plus comme ça, d'accord? Donc là, ils sont en train de choisir le lieu, mais il y aura danger, débordement, vraiment, ça va être explosif, hein, et ils vont pas se laisser faire du tout, hein, les mairies ou les personnes qui sont en charge de ce projet, enfin, pas en charge de ce projet, c'est, on va leur présenter ce projet et ils vont vraiment freiner des cas de fer ce projet justement sur leur lieu. Et donc, ils vont se séparer, c'est-à-dire ils vont dire, OK, on va chercher un autre lieu et ils vont trouver un lieu beaucoup plus en campagne, d'accord? Où il y aura beaucoup moins d'habitations. Mais en tout cas, pour répondre à la question, oui, il y aura la 5G. Ils décident là en ce moment du choix du lieu. Le premier choix ne sera pas possible vu qu'ils vont vraiment freiner des cas de fer, hein, ceux qui habiteront à proximité. Donc, ils vont choisir un autre lieu beaucoup plus serein. Serein, voilà, entre guillemets, beaucoup plus éloigné des habitations et des personnes. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et je vous embrasse tous très fort. Et à très bientôt, les papillons.